monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec ce décor tout en bordel. Et vous avez vu, ça y est, les vernis sont partis, ils sont dans les cartons. Ça me fait trop mal au cœur. Bon, bref, là autour de moi, vous savez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Bref, c'est les joies du déménagement, mais ça va, on s'en sort. On se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto avec la Vice 4. Donc, je l'ai acheté en solde. Voilà, je voulais pas encore présenter, alors je vous en ai pas fait encore d'article sur le blog déjà parce qu'il y en a eu pas mal et puis parce que je préférais vous faire des make-up. Surtout que les trois fards en particulier pour lesquels je l'ai acheté, non franchement ils me plaisent tous. Voilà, j'avais pas acheté la dernière, j'avais adoré la une, la deux un petit peu moins, mais alors celle-là j'ai kiffé tout de suite. Donc les trois pour lesquels je l'ai acheté, c'est en particulier les trois fards verts. Voilà, vous m'entendrez pas souvent dire ça parce que j'aime pas le... Voilà, en fait j'aime pas le vert, pour vous dire la vérité. Je sais pas, je suis pas fan à part dans certains cas. Et sinon voilà, le mint oui beaucoup, mais sinon le vert je suis pas... Voilà, bref, et donc du vert sur les yeux c'est assez rare que j'en mette. Du kaki oui, mais du vert c'est très très rare. Et là je les ai vus et en fait je suis tombée folle amoureuse. Bon alors après le reste j'aime tout. En particulier Flame là, donc ça je m'en sers aujourd'hui. Ces deux là c'est trop mes couleurs. Bon voilà, ces deux là c'est absolument trop mes couleurs. Après les nudes sont pas mal, bon ça c'est des... Les deux là c'est des faux nudes, mais pour moi c'est des nudes. Voilà, donc ça c'est des fards un peu plus basiques, un noir, voilà, et Fastball là est sublime. Voilà, mais je voulais surtout vous parler donc évidemment des verts en premier. Donc aujourd'hui je vous ai fait un tuto avec Arctic, donc que avec elle, hein, mais autour d'Arctic en particulier, voilà, donc celui que je porte là. Et la prochaine fois, donc je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous en fais un avec Grasshopper. Voilà, qui est lui le vert par excellence. Arctic ça tire encore un peu vers le bleu, c'est assez doux. Si vous voyez tout assez froid machin, lui c'est un vert. Voilà, je l'ai essayé, j'ai fait un truc avec. Et en fait ça me plaît pas mal. Voilà. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir craqué dessus, surtout en solde. C'est rare que les Vice, enfin les paillettes sur Urban Decay en général soient en solde. Donc voilà, je l'ai eu à un bon prix, je sais plus combien c'était, mais elle était à 30% chez Sephora, voilà, tout le monde, enfin c'était un peu passé partout. Et voilà, donc je vous fais un tuto aujourd'hui autour d'Arctic. Comme vous pouvez le voir, c'est assez présent, mais lumineux. Ce fard est très lumineux, il est vraiment trop joli, et tous les fards, je trouve, sont réussis dans cette palette. J'ai tous swatchés, je ne les ai pas encore tous portés en make-up, mais j'en ai porté la plupart et pour l'instant ils me plaisent tous. Voilà, je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. Alors je vais commencer par une base, donc je vais prendre la Primer Potion d'Urban Decay et je prends la Anti-Aging. Là je finis mes bases que j'ai en échantillon. Pour unifier ma paupière, je vais commencer par utiliser le fard Framed, qui est un beige complètement de la couleur de ma paupière. Donc voilà, donc qui va terminer le travail de la base et qui va terminer d'unifier. Ensuite, je vais utiliser le fard qui est un de mes préférés dans cette palette, le Roberti. Voilà, donc je garde le même pinceau comme avant, j'ai utilisé du beige, que je vais venir mettre sur la paupière mobile. Donc c'est un gris argenté, j'ai 3-4 fards que j'adore vraiment dans ces palettes, en plus des verts, et celui-ci en fait partie. C'est un... Dans la palette comme ça il fait gris argenté, et en fait il est beaucoup plus... beaucoup plus foncé une fois posé, il fait plus taupe, et je l'adore. Et ensuite avec le fard Dilette, donc le marron mat, je vais venir creuser le creux et je prends un pinceau directement estompeur pour pas en mettre trop et vraiment pour creuser mais en floutant le creux de paupière. Pour que ça ne soit quand même pas trop délimité au niveau du sourcil, je reprends un peu du fard Pramed, le beige donc, sur un pinceau estompeur aussi et je viens, vous voyez, flouter les bords du marron avec.
histoire que ça soit vraiment bien flouté dès le début. Et je continue à creuser pour donner un certain volume. Donc en fait, à la base du creux, j'essaye de pas trop... pas que ça soit plus marqué, évidemment, qu'en remontant. Ouais, vous avez compris. Je sais que vous êtes trop forte et que vous avez compris. Je vais ensuite prendre le fameux fard arctique que je vais poser avec un pinceau plat pour qu'il soit bien flashy au centre de la paupière mobile, donc vraiment sur le bombé. Ce fard est une merveille. Donc j'évite, enfin je remonte un petit peu dans le creux parce qu'on va dégrader après. J'évite de le faire trop, d'aller trop haut. Je viens estomper au niveau du creux ce qu'on a remonté pour que Arctique se fonde bien dans le marron. Ensuite, avec un petit pinceau vraiment très précis, donc moi je prends celui-là comme d'habitude de chez Real Techniques, le Detailer Brush, je l'aime beaucoup. Je vais venir prendre Flame, qui est un orange qui pète un truc de fou et qui se marie super bien avec Arctique. Et donc je vais venir le mettre en coin externe. Alors pareil, je le pose. Tant pis si ça fait une démarcation, on va venir flouter après, vraiment hyper légèrement. Mais là, il faut bien le poser pour qu'il soit nickel. Comme tous les fards à paillettes d'Urban Decay, sinon il a tendance à faire un peu de chute et à pas être très joli. Donc les fards à paillettes d'Urban Decay, généralement, je les pose, voilà. Voilà, donc je viens flouter un petit peu comme je vous disais. Alors super légèrement, hein. C'est vraiment pour pas qu'il y ait de démarcation entre les deux. Pour le coin externe, je vais prendre celui-ci, j'aime bien parce qu'il a quand même un côté précision. Et je vais prendre le fard Crowbar, qui est un kaki. On va juste, histoire de foncer le creux, le coin, pardon. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. C'est vraiment hyper léger. Donc avec ce genre de pinceau là, c'est bien parce qu'au moins vous pouvez directement estomper. Donc après vous n'avez pas de démarcation entre les deux. On va remettre un tout petit peu d'Arctique au milieu pour lui redonner de l'intensité. Il est trop beau. Ensuite je vais venir faire le dessous d'œil. Je suis un peu à la masse dans cette vidéo, mais c'est le déménagement et tout, ça me... Je suis à l'ouest. Avec le fard Crowbar en premier, donc je le reprends, donc qui est le sublime doré kaki là. Et que je vais venir mettre en ras de cils. Je vais ensuite appliquer un peu de colle en ras de cils supérieur pour apporter un peu d'intensité à la ligne. Alors, je trouve que un thread liner ça ferait trop, mais je précise que c'est parce que là après je repars bosser. Si c'était pour une soirée, le thread liner, oui, je le ferais peut-être. J'utilise le mascara Perversion, toujours. Alors par contre, à l'inverse, prenez le mascara qui vous fait le plus des cils vraiment waouh, parce que là par contre justement ça fait pas trop et justement ça lui apporte du corps, ça apporte du corps aux yeux, pardon, au make-up en fait. Ouais. On va pouvoir passer au teint. Pour le teint, je vais utiliser mon fond de teint Laura Mercier, donc le smooth finish, voilà, avec un pinceau kabuki rond, tout bête. Le temps que mon fond de teint se fixe un petit peu, je vais faire mes sourcils. En ce moment, je l'ai fait avec Zone et Serious de la palette Gwen Stefani. Donc je les brosse avec un goupillon. En fait, je les brosse vers le haut. Je les trouve parfaits, ces deux fards, pour moi.
les deux ensemble, je trouve que ça fait exactement la couleur de mes sourcils. Et je mets ma cire H&M pour les fixer. Voilà, je vais ensuite appliquer mon anti-cerne qui va aussi me servir de correcteur. C'est le Estée Lauder de Belwear. Ma peau ne kiffe pas du tout le stress du déménagement. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Elle aime pas du tout, du tout, du tout. Pour illuminer un tout petit peu plus mon regard, je vais prendre la touche éclat. Pardon pour tout ce bruit, mais vous n'imaginez pas le bordel que c'est. Ensuite, je vais utiliser mon blush maintenant parce que c'est un blush crème. C'est le peau rouge de Bobbi Brown en teinte Pale Pink. Voilà. Donc j'utilise tout bêtement au doigt parce que je trouve que c'est le mieux. Voilà, il va juste apporter un petit coup de frais, de bonne mine sans être trop... Voilà. Je vais réchauffer et illuminer un petit peu mon teint avec trois produits. Donc le premier, c'est le Fluid Sheer d'Armani, donc qui sert à illuminer, qui amène un peu de couleur. Donc je le pose à partir de là pour qu'il se fonde quand même un petit peu dans le blush. Voilà, et je vais rajouter un petit peu dans le liner poudre par-dessus, mais j'adore ces trucs. Et comme duo blush bronzer, là, pour réchauffer un petit peu, je vais utiliser le Tantalizer de Lorac, que j'ai trouvé aux États-Unis. Donc c'est un duo comme ça avec un bronzer mat et un highlighter. Voilà, je réchauffe un petit peu tout ça. Par contre, le bronzer, il est génial. Et ça, je crois, si je me trompe pas, en fait, que c'est un truc format voyage. Je l'avais trouvé chez Ulta au... à côté des caisses, là, dans les trucs format miniature. Donc je sais pas si ça se vend en full size, enfin si c'est un full size, si le full size est plus gros, si en fait c'est chacun de leur côté, j'en sais rien. Duo illuminateur et poudre bronzante matte. Tantalizer. Je ne peux pas vous dire mieux, si ça se trouve c'est le full size et en fait il est dit là-bas parce que c'est un duo machin. Comme poudre, je vais utiliser ma Pretty Pink Powder de Benaille que sur la zone T. Comme rouge à lèvres, je vais utiliser un mélange du NYX Liquid Suede en teinte Soft Spoken, sur lequel je vais rajouter un petit peu du Pure Hollywood d'Anastasia Beverly Hills. Et le Pure Hollywood, j'utilise comme on utiliserait un gloss en fait, parce que ça ne va pas rester brillant, au centre. Bien sûr, je ne reste pas comme ça. Avec mon doigt, je viens le fondre. Tout ça comme toujours, dans le but d'apporter un petit peu de volume par effet d'optique à mes lèvres. Voilà! J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien vu et tout. Non, vous voyez, c'est assez simple à faire en fait. C'est pas un make-up très très difficile. Même si il se voit pas mal, mais voilà, je trouve que Arctic se suffirait presque même à lui-même en mettant que du beige. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, dites-moi si bon, la prochaine fois je vous fais. Je sais pas si ça sera la prochaine vidéo ou celle d'après, voilà, mais je vais vous filmer ça avec celui-ci. Donc le très très vert là. S'il y a autre chose que vous voulez, voilà, je vous aurais bien fait un mélange avec ces deux là, ça doit être vraiment pas mal. Underhand et
Underhand, vous avez vu cet accent de ouf, et Beatdown. Voilà, peut-être un truc avec ces deux-là, ça peut être pas mal, je sais pas, voilà. Mais s'il y a des couleurs, vous l'avez et qui vous inspirent pas trop, vous savez pas trop comment faire, machin, et vous voulez que j'essaye de vous trouver un petit tuto avec, n'hésitez pas à me le dire et je m'exécuterai. Je vais retourner travailler, voilà, parce que j'ai pas encore fini le boulot, enfin, je suis toujours en préavis. Donc je vais retourner bosser, je vous fais plein d'énormes gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, à bientôt.